I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead. What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve eh bien pour une vidéo gameplay encore. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà là je suis bien posé, donc prenez une boisson si vous avez encore rien pris sur vous, comme ça je vais répondre à des petites questions à laquelle bah voilà j'ai eu je crois environ 5-7 questions que je vais répondre dans cette vidéo là. Si vous avez des questions à me poser, posez-moi dans la barre des commentaires. Ce qu'il faut savoir ici c'est que je suis pas chez moi de base, je suis chez mon père et qu'il peut avoir à n'importe quel moment, il peut avoir en effet une personne qui peut venir dans le salon parce que je suis en train de faire la vidéo dans le salon. Pourquoi dans le salon? Parce que c'est là où ça résonne le moins. Donc à n'importe quel moment, il peut avoir ma petite soeur, il peut avoir mon père, ma belle-mère qui arrive comme ça et qui vont parler dans le micro parce que voilà, je suis en train de supposer là avec mon petit coca. Oui, s'il est 11h du matin, donc l'alcool, oups, on va éviter. Donc je vais le petit bruit du coca comme ça, hop, oh ouais. Et donc on va essayer, en tout cas, je vais répondre à des questions, tout ça. Dans cette vidéo en mode posé, hein, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, c'est comme si finalement j'étais en train de boire un verre avec vous et puis finalement voilà, je réponds sincèrement avec toute honnêteté à la loyale ben à vos questions sans vraiment voilà avoir à vous mentir ou des choses comme ça, ou à me donner une bonne image, parce que quelque part ben, moi je pense que qu'il faut être honnête aussi face à ses abonnés et pas forcément créer un personnage et toujours être de cette façon là. D'ailleurs au passage il y a une personne et je vais commencer avec cette première question qui s'agit de Estevenabiju il y a quelques jours qui m'a posé la question. Je suis tout à fait raison avec toi. D'accord, et c'est oui, d'accord, tu as tout à fait raison avec moi. Je kiffe tes vidéos, continue comme ça, fais des vidéos qui durent 30 minutes, pouce bleu pour ceux qui sont d'accord en gros. Et j'aimerais bien savoir si cela vous tente que je fasse des vidéos un peu plus longues, 30 minutes pourquoi pas honnêtement. D'ailleurs au passage il y en avait qui disaient ouais hein, tu fais des vidéos courtes parce que je sais pas quoi, t'as un flemmard ou des trucs comme ça. Bah non, en fait non, regardez, d'ailleurs je fais des gameplays en ce moment de 15 minutes environ, en moyenne 10-15 minutes où je réponds à des questions. Donc pourquoi pas éventuellement s'il y a des gens dans la barre des commentaires qui sont d'accord pour que je fasse des vidéos de 30 minutes ou plus, pourquoi pas. Ça me dérangerait, pas de soucis, moi j'ai une bonne aisance de la voix, tout ça, et ça me dérange pas. On va commencer avec les premières questions. Donc pourquoi, et d'ailleurs ça c'est peut-être une question un peu négative, pourquoi dans quelques vidéos tu enlèves la barre des j'aime et des diffusions des commentaires? Et je vais vous répondre que c'était une erreur de ma part et que maintenant j'enlève plus la barre des commentaires et j'enlèverai plus la barre des j'aime. Je l'ai fait parce que, comme pour les gens qui me suivent, tout ça, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de rageux sur ma chaîne. Après c'est sûr j'ai peut-être agi de mauvaise façon, hein. Je suis pas parfait, ça je l'avoue, et bon bah forcément il y en a qui ont dû me critiquer, enfin qui m'ont critiqué, qui me critiquent toujours, donc je le ferai plus, d'accord. Mais bon, c'est dommage honnêtement de voir des fois quand je travaille une heure et demie sur une vidéo. Parce que le temps de production, la production de la vidéo, du montage et puis de la mettre sur YouTube, ça prend environ une heure et demie, hein, même une vidéo de 4-5 minutes, croyez pas, enfin 4-5 minutes ça prendrait plus 40 minutes, une vidéo de 1 heure, enfin de 15-20 minutes, ça prendrait plus une heure et demie, parce que faut faire le montage, il faut la produire, après je vais la sous-traiter, et puis après ce que je vais faire c'est je vais l'envoyer à YouTube, donc ça prend quand même du temps. J'aurais des questions pour toi. Donc là c'est Lionel Zendane Z1 il y a 3 jours, donc pas trop personnel. Tu penses qu'il y aura un Uncharted 4? Moi honnêtement oui, c'est une série qui, on va dire, a plutôt bien marché, qui a fait son propre nom. C'est pas mon style de jeu, mais voilà, à mon avis ça va marcher. La plus folle chose que tu as fait ou que tu voudrais faire, et eh bien c'était tout simplement un défi que je m'étais lancé, parce qu'en fait si vous voulez j'ai redoublé ma seconde générale et puis après je suis allé en bac professionnel parce que c'était pas du tout si vous voulez le général, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait fortement, parce que voilà, je préfère commencer tout de suite à travailler, donc c'est pour ça que je me suis mis en bac professionnel. C'était en bac général, donc j'avais un défi comme quoi c'était de faire un, enfin j'en ai fait plusieurs d'ailleurs de défis. Je me suis pris à plusieurs fois donc des gifles, parce que j'ai fait aussi des défis avec des femmes bien sûr. Mais le plus gros pour moi c'était en fait faire semblant de faire un malaise. C'est dans ma classe de maths à laquelle je devais faire un malaise en fait pendant 1 minute. Donc je devais compter dans ma tête pendant 1 minute où je devais tomber par terre. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que les gens, bon bah forcément, enfin on va dire que voilà, je me faisais un peu chier. Donc bon bah dès qu'on me proposait des défis comme ça un peu bidon, et bah je les faisais. Attendez, je vais boire un petit coup. Voilà, et donc forcément en fait ce que j'ai fait c'est j'étais assis donc en cours de match, je m'en rappelle, donc sur ma chaise tout ça, et puis bon bah voilà avec excusez-moi les pompiers, merci à vous, ou la police, bref.
Et donc j'étais assis, puis en fait ce que je devais faire c'est, voilà, j'étais en train d'écrire le cours de maths, et puis tout d'un coup je devais taper ma tête super fort contre la table et plus bouger pendant 1 minute, et c'est ce que j'ai fait. Et oui les gens, le prof de maths il est venu vers moi, il était choqué parce que je bougeais plus, hein, je bougeais vraiment plus pendant 1 minute. Il est venu vers moi et puis il commençait à me taper sur l'épaule, je me rappelle hein, en plus de ça. Et puis les gens, bah, il y en avait, enfin tout le monde ne savait pas en fait que je devais faire un malaise. Donc, bah, il y en avait qui rigolaient un petit peu, qui ricanaient, mais bon, pas fortement. Et il y en avait d'autres, bah, qui savaient pas en fait, qui étaient choqués et qui comprenaient pas en fait pourquoi j'avais ma tête explosée. Enfin, j'avais tapé ma tête derrière assez forte en plus contre la poutre, enfin la poutre, la table. Je sais pas comment ça s'appelle les vieilles tables hein, d'école. Et donc le prof, il se rapproche de moi et puis il commence à me taper sur l'épaule, tout ça. Et puis Christopher, Christopher. Et puis moi non, tant que les minutes n'étaient pas passées, bah forcément, j'étais pas réveillé. Donc il me tapait comme ça et Christopher, Christopher. Et puis d'ailleurs il commence à s'inquiéter parce que je me rappelle plus trop exactement comment c'était terminé, mais il commençait, enfin je crois qu'il m'avait bougé de la chaise, enfin en tout cas il m'avait fait reculer pour que je me tienne droit, et puis moi j'avais envie de rigoler en plus hein, parce que c'était à hurler de rire, enfin sur le moment je sais que c'est peut-être pas forcément intelligent tout ça, mais bon c'était à l'époque, c'était il y a 2 ans, donc voilà. Et bah voilà, il m'avait, puis après je m'étais réveillé, j'avais fait semblant en fait comme si voilà je me suis réveillé d'un malaise, donc j'ai fait comme si oh qu'est-ce qui m'arrive, vous savez, un peu comme oh mon Dieu, oh je viens de m'exploser la tête contre une table, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait c'était un peu ça d'ailleurs hein. Donc voilà, je fais semblant un peu que je me lève tout ça, et puis il me regarde et puis il me fait je pense que tu devrais aller à l'infirmerie ou un truc comme ça. Puis je suis allé donc avec un pote à moi, on est allé boire un coup, et puis on était j'étais en train de ricaner comme un gros con, et puis après on n'est même pas allé à l'infirmerie, en plus je m'en foutais complètement, et puis on est revenu en cours de maths, et puis voilà. Mais bon, en tout cas ça avait bien terminé l'heure de cours. Mais à mon avis c'est pas à faire hein. C'est vrai que le prof, honnêtement, il aurait pu mal le prendre ou croire que c'était une blague, ou pas du tout hein. Il aurait pu vraiment stresser, parce que je crois qu'il commence à stresser au bout des 50 secondes, un truc comme ça je me rappelle, au bout de 40-50 secondes il commence à stresser, et bah, je me suis levé, enfin comme si voilà je sortais d'un malaise au bout d'une minute. Bon, c'était pas super intelligent, je suis d'accord avec vous. Donc on a une autre question donc de Red Fox Steel. Donc si vous avez vécu des choses assez drôles, vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires sans aucun souci, moi ça me dérange pas du tout. Donc il me pose la question: comptes-tu faire de la boxe comme je l'avais dit sur Skype? Donc lui il devait d'ailleurs, ça remonte il y a longtemps à mon avis, d'au moins 4 5 6 mois. Non, peut-être pas, 3-4 mois, à laquelle j'étais sur Skype. Donc pour répondre à ta question, en fait pour l'instant je fais du parcours et je fais de la prise de masse. La boxe se fera, en tout cas moi ça me dérange pas, mais elle se fera lorsque je trouve que j'aurai la morphologie, enfin en tout cas le physique recommandé. Voilà, parce que pour l'instant je fais du parcours. Donc pour les gens qui savent pas trop, c'est comme un peu dans mes vidéos, c'est-à-dire que je cours sur 40-50 minutes et je vais monter des murs, faire des pompes, faire des tractions, c'est beaucoup de cardio, et puis je vais finalement faire en fait des petits sauts, enfin des trucs comme ça en fait. Et moi j'aime beaucoup faire ce genre de choses, ça fait un peu ninja, mais ça travaille beaucoup le cœur, et j'aime beaucoup faire ce genre d'activité. Donc voilà. Pour répondre à une autre question donc de Sidali Messaouril, c'est Christo, quel est ton plat préféré, quel est ton plat que tu détestes? Oh putain, j'avais perso c'est le kebab. D'ailleurs j'ai fait une petite blague avec le kebab. Alors quel est ton plat préféré et quel est ton plat que tu détestes? Mon plat préféré, en plus là, je sais même pas quoi te répondre hein. Je crois que ça serait plus les spaghettis à la bolognaise. Et mon plat que tu détestes, honnêtement, j'aime un peu tout, sauf des fois il y a des légumes ou des trucs comme ça que j'aime vraiment pas. Je sais même plus comment ça s'appelle, une sorte de légumes ou un truc comme ça là, qui a une odeur puissante. C'est-à-dire que en fait tu le mets à la bouche, tout ça, et puis c'est comme de l'oignon. Enfin moi l'oignon j'aime bien, mais c'est comme si c'était de l'oignon, sauf que c'est un légume, et puis c'est fort, puis tu l'as dans ta bouche, et puis t'as envie de vomir. Franchement, ma mère des fois elle me fait ça comme nourriture, j'ai envie de vomir. Je lui dis en plus, je lui dis: maman j'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'elle fait ma mère? Bah, elle continue à en mettre. Christo du 6-9 ou le youtubeur qui n'a pas honte de laisser un écran noir sur sa vidéo. Voilà, en effet, j'ai pas peur de laisser un écran noir sur ma vidéo, puisque ici, bon, je vous propose quand même un gameplay, mais bon, si je dépasse la limite, je mettrai un écran noir, hein, pas besoin de mettre un gameplay, tout ça, parce que normalement, c'est même pas le plus important. Ouais, franchement, moi, ce que je pense, honnêtement, c'est la chose la plus importante de chez un youtubeur, c'est vraiment d'être franc, tout ça, et ce genre de vidéo, voilà, je suis posé, tout ça, et puis je vous réponds un peu à vos questions. Je sais pas du tout si j'ai répondu à toutes les questions, je crois que j'ai mises hein. Donc ah non, t'en es où au niveau de tes études? Je crois que j'ai pas répondu à celle-ci.
Voilà, au niveau de mes études, donc je suis en seconde toujours, parce que j'ai redoublé ma seconde, et je suis donc en seconde professionnelle. Je voulais aller en première professionnelle, mais j'ai pas pu parce qu'on est obligé de passer par la seconde. Donc malheureusement, je dois passer ma seconde professionnelle. Au niveau de mes études, donc voilà, donc je suis en bac pro SEN, système électronique et numérique. Donc c'est dans l'électronique, comme indique le nom hein, de cette série. Ouais. Et donc, pour te dire honnêtement, ça marche plutôt bien. Enfin voilà, je travaille 20-30 minutes tous les soirs pour l'école et j'ai eu une moyenne. Premier trimestre, je crois qu'elle était pas top, elle était à 11. Pourtant, je suis en bac pro, donc j'ai foutu un peu la merde, tout ça. Puis je me suis ressaisi là pour le deuxième, j'avais 12 ou 13. Puis là, le troisième, s'il est terminé, je crois que je dois avoir 14, 8, ce qui est pas énorme honnêtement. Dans un bac pro, tout ça, sachant que j'ai fait une seconde générale, c'est pas top. Franchement, c'est voilà, c'est pas. Ouais, je suis pas un exemple, hein. Même bon, je sais que c'est déjà bien, 14-3, je crois, j'ai 14-37 ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est peut-être pas super bien, mais en tout cas, ouais, j'essaye de. Je pense que l'année prochaine, je vais essayer de rester à 15 de moyenne parce que j'ai fait quand même une générale, tout ça. Et le bac pro, faut pas le négliger, faut pas dire que c'est beaucoup plus facile. C'est différent en fait, le système il est différent. En plus, moi, je suis dans un bac plutôt spécial. C'est-à-dire que voilà, c'est un bac pro SEN en fait, si vous voulez, c'est un bac pro qui est un peu mis de côté comparé à tous les autres bacs pro hein. Moi je sais pas espagnol, voilà, c'est complètement étrange comme truc. Et d'ailleurs, au passage, pour répondre à la personne, oui, là je pense que je vais mettre un écran noir pour toi, juste pour toi, parce que je sais que tu m'aimes, et je vais mettre un écran noir parce que j'ai envie de mettre un écran noir et j'ai pas envie de mettre un gameplay ou un truc comme ça. Donc je vais laisser cet écran noir et je vais vous laisser d'ailleurs cette vidéo là. Je vais même pas terminer mon coca, à mon avis ça va être un peu compliqué. Donc si vous voulez au passage que je fasse des vidéos plus longues, pourquoi pas, de 30 minutes, ça me dérange pas du tout. Donc il suffit de me dire dans la barre des commentaires. Moi je suis posé, tout ça. Bon, c'est à dire que je dois faire des vidéos un peu plus longues, par contre de 30 minutes, ça me cassera un peu les couilles, voilà. Non, je rigole. Enfin quoi que, bon, ça dépend de sur quel jeu aussi, mais bon, 30 minutes ça devrait suffire pour faire un gameplay. Pas plus après, parce que bon, ça va être relou. J'aime pas trop jouer une heure, moi honnêtement. C'est plus 30 minutes que j'aime bien, 30-40 minutes. Après, c'est vrai que je me lasse du jeu en fait. Donc voilà. Merci pour tous les gens. Au passage, si vous voulez me poser des questions, je pense que je l'ai déjà dit en début de vidéo, vous me les posez dans la barre des commentaires de cette vidéo-là. N'importe quel type de questions, je vous y répondrai. Même si ce sont plutôt intimes, si je justifie que j'en ai envie de vous y répondre, eh ben je vous y répondrai. Voilà. Je peux pas répondre par contre à toutes les questions, on est d'accord. Ou alors, il faut que ce soit une vidéo un peu plus longue de 30 minutes, à laquelle voilà, je pourrais parler de plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Et j'ai envie de roter. C'est le coca, donc je vais pas roter en vidéo quand même. C'est pas trop mon kiff, hein, roter en vidéo. Donc voilà, merci pour tous les gens. Puis merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Vous faites comme vous voulez. Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out. Le petit coca. Ah, voilà. Aïe. Hop. Un écran noir pour toi. Un écran noir pour toi. Moi je m'en. Oh putain, j'ai craché. Ah, j'ai postillonné sur mon micro. Bordel de merde. Bon allez, je vous laisse. J'ai attaqué mon montage là. Ah, un écran noir. Peace out. Allez, peace out. Je termine. Mais j'ai pas envie. Allez. Alors comment on met stop déjà? Ah oui, c'est là.